Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du poisson d'or. Salam ahamegi, امیدوارم حالتون خوب باشه. به داستان دیگه ای از مجموعه داستان‌های کوتاه با Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. امروز میخوام براتون داستان لو پواسون دور رو بگم، ماهی قرمز. شاید تعجب کنید اسم داستان پواسون دور هست، کلمه اور به معنی طلا هست، ولی پواسون دور به این ماهی کوچولوی قرمز میگم پواسون دور. پس حتما تا پایان داستان با من همراه باشید. می دبا ابونه وو ویت ای سی ا کلیک سور لی کونکلوشت پور نو دیرنیر ویدیو. اون ایوا Le poisson d'or. Il y avait une île au milieu de l'océan où il y avait une petite cabane. Dans cette cabane vivaient un vieillard et sa femme. Ils étaient pauvres, très pauvres, et le mari avait seulement un filet. Tous les jours, il allait pêcher et lui et sa femme mangeaient les poissons qu'il prenait dans son filet. Un jour, après avoir pêché longtemps, il prit un petit poisson d'or qui avait une voix humaine et qui dit « Brave homme, rejette-moi dans la mer bleue. Je suis si petit, donne-moi la vie et je ferai tout ce que tu me demanderas. » Le pêcheur eut compassion du petit poisson et retourna à la cabane sans rien. Sa femme demanda « Eh bien, mon mari, as-tu pris beaucoup de poissons ?»« Non, » dit-il, « j'ai pêché toute la journée et j'ai seulement pris un petit poisson d'or. »« Où est-il ? » dit la femme. « Dans la mer, » répondit le pêcheur. « Il m'a tant prié d'avoir compassion de lui que je l'ai remis dans l'eau. » La femme était très indignée. « Imbécile, » dit-elle, « tu avais la fortune dans la main et tu as été trop stupide pour en profiter. » Elle parla que le vieillard, fatigué de ses reproches, courut au bord de la mer et cria « poisson d'or, viens à moi !» La queue dans la mer, la tête tournée vers moi. Le poisson d'or arriva aussitôt et dit « Vieillard, que veux-tu ? » « Je veux du pain pour ma femme qui est en colère. » « Va à la maison, vieillard, et tu trouveras du pain en abondance, » dit le poisson. Le vieillard arriva à la cabane. « Eh bien, ma femme, as-tu du pain en abondance ?» « Oui, » dit la femme, « mais je suis bien malheureuse. J'ai cassé mon baquet et je ne sais où laver mon linge. Va trouver le poisson d'or et dis-lui que je veux un baquet neuf. » Le vieillard alla au bord de la mer et cria, « poisson d'or, viens à moi, la queue dans la mer, la tête tournée vers moi. » Le poisson d'or arriva en disant, « vieillard, que veux-tu ? Un baquet neuf pour ma femme, qui n'est pas contente parce qu'elle ne peut pas laver son linge. Va à la maison, dit le poisson d'or, et tu y trouveras un baquet neuf. Le vieillard retourna chez lui et dit, eh bien ma femme, as-tu un baquet neuf ? Oui, dit la femme, mais va dire au poisson d'or que notre cabane tombe en ruine et qu'il m'en faut une autre. » Le vieillard retourna au bord de la mer et cria, « poisson d'or, viens à moi. » « Que veux-tu ? » demanda le poisson. « Une cabane neuve pour ma femme, qui est de bien mauvaise humeur. » « Très bien, va à la maison et tu trouveras une cabane neuve. » Le vieillard arriva chez lui et vit une belle cabane neuve. Sa femme ouvrit la porte et dit, « Imbécile, va dire au poisson d'or que je veux être archiduchesse et demeurer dans un grand château
où j'aurai beaucoup de domestiques qui me feront de grandes révérences. » Le vieillard retourna au bord de la mer et fit la commission. « C'est bien, lui dit le poisson d'or, retourne à la maison. Tu trouveras tout fait. » Arrivé à la maison, le vieillard vit un château magnifique. Sa femme, vêtue d'or et d'argent, était assise sur un trône et donnait ses ordres à une foule de domestiques. Quand elle aperçut le vieillard, elle dit « Qui est ce vieillard-là, ce mendiant ?» Et elle commanda qu'on le mît à la porte. Mais bientôt, elle voulut être impératrice. Elle fit donc venir le vieillard et lui dit d'aller trouver le poisson d'or et de lui dire « Ma femme ne veut pas être archiduchesse, elle veut être impératrice. » Le vieillard obéit et le poisson d'or accorda aussi ce souhait. Enfin, la méchante femme voulut être reine des eaux et commander à tous les poissons. Le vieillard alla donc au bord de la mer, appela le petit poisson et dit « Poisson d'or, ma femme n'est toujours pas contente. Elle dit qu'elle aimerait être reine des eaux et commander à tous les poissons. » « Oh, c'est trop !» dit le petit poisson d'or. « Elle ne serait jamais reine d'eux. Elle est bien trop méchante et je suis sûre que tous les poissons seraient bien malheureux sous ses ordres. » Le poisson disparut en disant ces mots et quand le vieillard arriva chez lui, il retrouva la pauvre cabane, le baquet cassé, la vieille femme mal vêtue et il fut obligé de reprendre son filet et de pêcher. Mais il eut beau jeter son filet à la mer, il ne retrouva plus le poisson d'or. خب دوستان داستان رو با هم شنیدیم، حتما چندین و چند بار داستان رو گوش کنید، سعی کنید بخونید برای خودتون. اگر کلمه دیدید که هنوز نخوندید باش آشنا نیستید اصلا اشکال نداره، قرار نیست معنی تک تک کلمات رو بفهمید، مهم اینه که کل مفهوم داستان رو بتونید درک کنید و به مرور بخش شنیداری شما در واقع کمپرانسیون اورالتون قوی میشه و همچنین وقتی از روی متن میخونید با کلمات بیشتری آشنا میشین، ساختارهای بیشتری رو یاد میگیرین و به مرور پیشرفت خودتون رو در زبان فرانسه خواهید دید. لطفاً فراموش نکنید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید و کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های شما هستیم. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.